Il est là, le patron de ce deuxième manche, Mathieu Trézarieux. Victoire, hein, super victoire de Mathieu depuis l'extérieur. L'année dernière, il ne faisait pas d'erreur et encore cette année, c'est propre sur la moto alors que la piste semble se détériorer un petit peu. C'est un départ de David Bulego. C'est peut-être Dimitri Berger pour le coup qui n'a pas l'habitude de voir. Alors, derrière, c'est Dan Gullier qui cherche d'autres lignes. Ouais, David qui remontait, mais ça. Ça suffira pas pour aller chercher Dimitri. Et c'est bien fort hein, depuis l'extérieur. Et c'est encore Mathieu Trézarieux. Hein. Incroyable le départ de Mathieu Trézarieux. C'est Chris Harris qui va chercher l'erreur peut-être, hein, la petite erreur de Dimitri. Et non. Ouais, qui distance même les autres pilotes. Derrière, ça se bat. Ça se bat pour le seul point qui reste de la manche. Et c'est Mathieu Trézarieux à l'extérieur, regardez, Dan Gullier, mais c'est bien Troy Bachelor hein, qui... Parce que mais il ne reste plus que 10 manches en suivant, et voilà, ça va être compliqué, il ne va pas falloir perdre des points. C'est un vrai pour cette manche 7, et c'est parti, et puis tu le disais, Christophe à l'extérieur, ça part mal, mais là, c'est super bien parti pour Kvetch. Sur Kvetch, mais il est beaucoup plus rapide, je pense qu'il a trouvé ce qui lui manquait. C'est bien Kvetch qui remporte cette manche. Ça part fort justement pour Kenneth à l'intérieur. C'est bien Troy Bachelor. Et ça rentre très fort pour Gulli. Attention hein, sur Troy Bachelor. Avec leur moto et on voit quand même la dextérité des pilotes. C'est Troy Bachelor hein, qui... ça y est, c'est un départ hein, de la part de Mathieu. Complètement à l'intérieur qui pousse avec Kvetch. La vitesse de Mathieu Trézarieux. Mais attention à quand même pas trop s'écarter parce qu'il a vu. Jan Kvetch fait l'intérieur, c'est rapide l'intérieur aussi, mais c'est bien Mathieu qui dans cette manche 11 pour la remporter. Berger qui a très très bien mené cette course et sans surprise il la remporte. L'excellent départ de Troy Bachelor et David qui est resté collé sur le start, qui ferme les attaques de Bully alors que David semble plus en difficulté dans cette manche. C'est la victoire hein, de pour David. Et c'est Chris Harris qui fait l'intérieur. Il le pique sur la tête de David. La bonnette blanche et noire. C'est fait. Bien joué pour Morizès. Ouais, excellent départ de Julien Cayre. C'est Mathias Trézarieux à l'intérieur qui réalise le meilleur. Mathias Trézarieux qui s'envole de suite. Et Julien Cayre qui avait réalisé un bon départ, il se retrouve enfermé à dernière place. Mathias Trézarieux qui en profite, attention à ne pas faire d'erreur, surtout pas. Et Julien Cayre qui pousse le jeune pilote Tino Bouin pour que ça passe, et ça passe toujours pas pour Julien Cayre. Tino qui est un peu large, mais... Et Tino qui est très très bien sur cette manche. Devant c'est Gabriel Duvernard, un pilote d'expérience. Attention à ne pas faire d'erreur, l'erreur de Tino Bouin. Forcément, Julien Cayre en a profité. Et devant, ça va très vite pour Mathias Trézarieux. Julien Cayre qui remonte à la seconde place, mais c'est trop tard pour aller chercher Mathias Trézarieux. Il l'a vu, Mathias, qu'il était loin devant. Pas d'affolement. Et 3 points, hein, 3 points de plus pour Morizès. Julien Cayre en seconde position, hein, qui est mal parti, qui a eu du mal à remonter. Et Gabriel Duvernard. Un petit point pour Gabriel. De Mathieu Trézarieux. Et qui ressort avec le all shot de Mathieu Trézarieux. Ouais, ça rentre fort pour Mathieu là-bas. Les quatre pilotes quasiment de front. Et c'est Dan Bully qui se glisse devant Kenneth Hansen et ça rentre très fort pour le pilote anglais. Attention à ne pas faire l'erreur. Alors que Chris Harris a abandonné. C'est toujours Mathieu Trézarieux qui est en tête. Dan Bully en seconde position. Et Kenneth Hansen, le Danois. Énorme match de Mathieu Trézarieux qui réalise le spectacle aujourd'hui à Marmande. Toujours pas d'erreur. Sûr, hein, parce que Dan Bully rentre très fort dans ce virage du parc.
Ah, ça sort très large pour Mathieu, attention. Va de plus en plus vite Mathieu. Et encore un coup. Incroyable. Impérial Mathieu Trésorier aujourd'hui à Marmande. Une victoire de plus. Et c'est parti. Hein. Ça part fort de l'intérieur. David Bellego, ça pousse un petit peu. Qui c'est qui va sortir en tête? C'est bien David Bellego. Il veut marquer les esprits sur cette dernière manche, forcément. À l'extérieur, c'est Dimitri Berger. Troy Bachelor, son coéquipier, est là, sur son intérieur en 3. Ah, ça rentre fort pour Dimitri Berger sur David Bellego. Ah, ça rentre très très fort. Et David, on le sait, quand il est devant, c'est difficile d'aller le chercher. Dimitri Berger. Troy Bachelor qui contre les attaques du jeune tchèque. David qui creuse l'écart. Hein. C'est tout propre. Ça rentre vite pour tout le monde. Rien à dire sur le pilotage. David qui est impérial sur cette manche. Rien n'est joué pour la troisième place. C'est fait. Victoire pour.